Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un grand cabas. Il faudra 4 morceaux de tissu de 45 cm sur 40, 2 grandes bandes de 125 cm sur 17 et 2 bandes de 70 cm sur 10 cm. On commence par assembler un des morceaux de 45 sur 40 avec une bande de 125. Endroit contre endroit, sur toute la hauteur, on va assembler en s'arrêtant à 1 cm du bord. Une fois arrivé à 1 cm, je plante l'aiguille, je lève le pied presseur et je tourne mes tissus. Et je reprends ma piqûre. Alors, au coin suivant, je plante également l'aiguille et je refais la même opération. Donc, je tourne mon tissu. Et je viens placer le tissu du dessus et je reprends la piqûre. Le premier côté est assemblé. On va prendre le deuxième morceau de la même taille et recommencer l'opération. La partie extérieure est assemblée. Maintenant, on va venir assembler la partie intérieure. On reprend l'autre bande et l'autre morceau de 45 sur 40 et on refait exactement la même chose. Pour l'assemblage, vous pouvez choisir de placer la bande au-dessus ou alors le tissu au-dessus. C'est vous qui voyez comment vous êtes le plus à l'aise. La partie intérieure est prête. On vient maintenant préparer les poignets. On replie 1 cm de chaque côté et ensuite on replie. Et on va venir faire une piqûre de chaque côté à 1 mm. On va maintenant venir placer la poignée. Il faut prendre le milieu de la partie avant, le marquer avec une épingle et prendre ensuite un repère de chaque côté de cette épingle à 10 cm. Ensuite, je viens placer les extrémités de ma poignée contre l'épingle comme ceci. Mes poignées sont placées de chaque côté. On vient reprendre la partie intérieure et on va glisser les parties l'une dans l'autre, tissu endroit contre endroit. Je viens bien faire correspondre les coutures. Et j'épingle. Une fois que j'ai épinglé les coutures, je viens bien épingler le tour pour préparer l'assemblage.
Il faut maintenant assembler le tour du sac. On va piquer le tour à 1 cm, faire un point d'arrêt au début et à la fin et laisser une ouverture de 8 cm pour pouvoir le retourner. En assemblant le tour du sac, on va venir assembler les poignées. Et maintenant, on vient retourner le sac par la petite ouverture. Il reste à refermer l'ouverture qui est ici. Et pour cela, on va faire une surpiqûre tout autour du sac à 1 mm. Une fois cette dernière piqûre faite, votre cabas est terminé. Voilà. À vos machines!